On va quitter le Jardin des Merveilles aujourd'hui pour aller chez Carole qui va nous présenter un système d'irrigation assez particulier. Carole est en cours d'installation agricole et son jardin se trouve sur une parcelle sur laquelle il n'y a pas d'électricité. Elle a donc dû développer un système d'irrigation de type goutte à goutte qui fonctionne à basse pression uniquement par gravité. Cette vidéo est juste un morceau de la vidéo complète, donc faites-moi savoir en commentaire si ça vous intéresse d'avoir la visite complète dans laquelle elle nous présentait aussi son puits, la pompe, le groupe électrogène qui alimente la pompe pour remplir les cuves. Et là, on va aller chez Carole pour qu'elle nous présente d'abord ses cuves et ensuite son système de goutte à goutte à basse pression. Allez, c'est parti. Elle est bien emballée ta cuve. Oui. Pourquoi? J'ai mis des bâches sur quasi toutes les cuves pour pas que y ait des algues qui se développent dedans. Ouais, c'est pour la lumière, voilà. Quoi, ouais. Pour la lumière et on va voir la durée de vie dans le temps, mais je suis pas persuadée parce qu'elle commence déjà à être décolorée, donc on verra à la fin de la saison. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va, je sais pas si peut-être au final on fera un compte rendu sur combien ça coûte l'installation complète, mais déjà les cuves. Combien alors, t'as eu? Ben en fait j'ai cherché des cuves alimentaires, c'est-à-dire que c'est un plastique ouais, qui est pas du tout poreux. Et donc celles-ci, elles avaient contenu des produits alimentaires. J'ai jamais su ce que c'était vraiment. Voilà, mais ça sentait vraiment la nourriture. Ça sentait la vieille croquette pour chien. Ouais. Ça sentait pas super bon. Mais au moins c'est quelque chose qui est, c'est alimentaire. Il y a rien de toxique, il y a rien de chimique. Il y a. Ouais, voilà. Ouais. Et il y avait le logo d'ailleurs dessus qu'on verra sur une autre cuve. Comme quoi, c'est vraiment alimentaire. Je les ai achetés du coup d'occasion et ça m'est revenu environ 120 euros la cuve livrée parce que j'en ai pris 5 d'un coup. Ok, 120 euros la cuve. Ouais. À une époque, moi il y a 15 ans quand je me suis installé, c'était 50 euros la cuve. Quoi. Ouais. Ouais, ça augmente un peu quoi. Alors, déjà, il y a plusieurs cuves dans le jardin, t'en as combien en tout? 5. 5 qui sont surélevées. Pourquoi surélevées du coup? Pour que j'ai un minimum de pression pour pouvoir envoyer l'eau dans le système de goutte à goutte qu'il y a là. Ouais. Avant d'aller plus loin, donc juste déjà parler de quel type de goutte à goutte. À savoir que, alors déjà, première info, il n'y a pas de partenariat. L'idée, c'est pas de faire de la pub pour eux. On n'a pas de recul sur ces tuyaux. Pour l'instant, c'est chouette. Elle va vous le présenter, enfin, vous en parler. Pour l'instant, ça marche. Mais si ça se trouve, dans un an ou deux, on va vous dire, en fait, ces tuyaux, ça ne marche pas. Mais voilà, pour l'instant, c'est ces tuyaux-là qu'on teste. On va vous donner les prix de ces tuyaux. Et c'est des tuyaux qui sont micro-poreux, micro-suintants et qui marchent vraiment à basse pression. Et c'est avec ces tuyaux-là qu'il faut faire sur ce système. Si vous faites avec des tuyaux, avec des goutteurs classiques, comme ceux que j'utilise moi, ça ne marchera pas, il n'y a pas assez de pression. Et pour qu'il y ait assez de pression, il faut que les cuves soient surélevées. Là, du coup, c'est peut-être toi qui connais mieux. Ouais. Déjà, j'avais cherché une idée d'un système d'arrosage par gravité. Et j'avais vu qu'avec des tuyaux classiques comme ceux-ci, avec des goutteurs intégrés ou des goutteurs qu'on rajoute, mais c'était pas forcément le mieux parce qu'on ne pouvait pas forcément aussi contrôler la pression de l'eau, que l'arrosage n'était pas homogène et que surtout en fait ça se bouchait parce qu'il n'y a pas assez de pression. Donc j'ai fait plein de recherches, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des sites, des avis. Et alors je ne sais pas où c'est que j'ai trouvé ça, je ne m'en souviens plus, mais quelqu'un parlait de tuyaux micro-suintants. Donc différent du micro-poreux, c'est des tuyaux plats, c'est vraiment une espèce de tissu très épais en fait, un tissu polyester très épais. Et j'ai réussi à trouver sur le net en cherchant une entreprise en Espagne qui vendait ces tuyaux-là. Alors il y a marqué à usage professionnel, mais ils vendent ça en gros rouleau jusqu'à 200 mètres le rouleau et qui n'était pas très onéreux. Donc j'ai tout parié là-dessus en espérant que ça marche. On a regardé vite fait ce matin au niveau du prix. Le tuyau n'est pas moins cher, à moins d'en prendre des grosses longueurs, mais c'est même pas vraiment beaucoup moins cher que les goutteurs classiques. Mais c'est juste qu'ils sont adaptés à ce système-là. Mais voilà. Nous, on n'a pas forcément trouvé moins cher. On vous parle de cette marque-là et de ces prix-là parce que c'est ça qu'on a testé. Mais encore une fois, on ne vous parle pas de celle-là parce qu'elle est mieux que les autres. Et il n'y a vraiment pas de partenariat du tout avec eux. Donc apparemment, d'après le site, en fait, ces tuyaux ne se boucheraient pas. Il faut qu'ils soient bien en contact avec la terre et on peut les enterrer aussi. Donc ça peut être intéressant sur certaines cultures pérennes, voilà. Si il n'y a pas de risque, si on les enterre, de les couper en coupant l'herbe ou autre. Ouais.
Voilà. Et autre chose, alors du coup, je vais essayer de résumer pour que ça fonctionne. Alors, il faut un minimum de pression. Il faudrait que les cuves soient au moins à 1 mètre de hauteur. À 2 mètres de hauteur. Mais alors, parce que du coup, 0, de ce 2. Que tu me disais tout à l'heure, là, quand il reste juste un fond d'eau, là, on est à 1 mètre de hauteur, ça marche quand même. Ce qui est précisé, c'est entre 0,2 bar et 1 bar. Et on gagne combien? En fait, c'est 0,10 bar par mètre. Les cuves, elles sont à peu près. Là, il y a 1 mètre de bloc, 1 mètre de cuve et il y a 20 cm. En fait, j'ai 2,20 mètres. Là, au plus de pression, plus quand la cuve est pleine, on a 0,2 bar. Ok, mais quand tu arrives en bas, donc tu es à 0,1 bar, mais ça marche quand même, ça fonctionne quand même. Ouais. Donc je reviens à mon truc pour résumer. Il faut que l'eau soit un peu surélevée pour qu'il y ait un minimum de pression. Donc il faudrait que les cuves, c'est pour ça que nous, elles sont toutes sur parpaing, enfin que nous, que toi, pardon, que Carole a mis ses cuves sur parpaing à 1 mètre de hauteur, elles seraient encore un peu plus haut, ça irait encore un peu plus fort, mais ça marcherait, enfin ça marche quand même à cette hauteur-là. Donc que ce soit surélevé pour qu'il y ait de la pression. Que ce soit bâché et couvert pour que les cuves, que l'eau ne se charge pas d'algues, parce que sinon l'eau ne passe pas à travers le tuyau. Autre truc, on n'en a pas parlé encore, mais elle va vous le présenter. Il y a un filtre ici pour que l'eau qui arrive dans les tuyaux soit filtrée. Et ensuite, que les tuyaux soient au moins en contact avec le sol. Apparemment, ça marche mieux si le tuyau est en contact avec le sol. Voilà. Oui. Donc, du coup, je vous montre en entier, peut-être. Vas-y. Le système. Quand les cuves elles sont livrées, en fait, elles ont une sortie comme ça avec un bouchon là et une vanne pour ouvrir ou fermer. Donc la première chose, ça a été de trouver un bon raccord. Donc c'est un raccord femelle qui s'adapte à cet embout là. Voilà. Et sur ce raccord là, en fait, je suis venue mettre un filtre à tamis. Voilà. Donc en fait. Le filtre à tamis, il se dévisse et à l'intérieur, il y a un tamis. Voilà. Quelle y a, enfin, la taille du tamis ou, Je crois que c'est 120 ou 130. Voilà. Quoi ? Micron, ouais. Voilà. Là, on le voit bien, ça a tendance vraiment à se salir avec les algues. Donc, il y a quand même des algues. Malgré le fait qu'il y ait la bâche, en fait, il y a toujours un peu d'algues qui se fait. Mmh. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'avant chaque utilisation, il faut nettoyer ça. Et en fait, la solution la plus facile que j'ai trouvée, c'est directement, en fait, j'ouvre, je passe juste comme ça, hop, et je nettoie. D'où l'idée d'avoir cette cuve-là pour récupérer quand même cette eau dans laquelle elle peut remplir ses arrosoirs. Après, j'imagine qu'avec un petit goupillon, une brosse à dents, ça serait plus rapide. Mais en fait, en le faisant souvent, il s'encrasse pas beaucoup et voilà, il est vite nettoyé. Ok. À la sortie du filtre, c'est juste un raccord de tuyau classique que j'ai adapté avec les mesures. En fait, je sais plus, je crois que c'est 2 pouces, je crois. Et ensuite, j'ai quand même acheté du tuyau classique. Pardon, moi j'ai une question en passant. Ouais. Pour tout ça là, comment t'as fait pour savoir? Comment t'as fait pour trouver? Comment t'as fait pour savoir? T'as un conseiller en irrigation, agricole, machin ou... Ouais, je me suis débrouillée. Ouais, c'est ça, hein, c'est toi qui allais fouiller sur internet et qui as tout trouvé. Je suis allée chercher le diamètre. Ce qui est compliqué, c'est que c'est souvent des diamètres en pouces. Dans d'autres sites, c'est 1 cm. Donc en fait, j'ai fait mon petit tableau de correspondance pour trouver. C'est assez galère, mais au final, voilà. C'est des raccords. Et après, dans n'importe quel magasin de bricolage, je pense en ayant les mesures, on peut trouver les raccords qu'il faut. Au final, il y a juste ce raccord-là à trouver qui s'adapte au filtre. En fait, j'ai tout fait aussi en fonction du filtre. Voilà, j'ai vu les sorties et j'ai acheté les raccords. Mais il y a plein de sites dédiés au raccord de cuve. Donc, tu as ta cuve, ça passe par un filtre. Et ensuite, après, comment ça envoie et comment elles sont disposées, tes parcelles? J'ai fait plusieurs parcelles de 5-4 mètres carrés. Donc elles ont toutes 5 bandes de 1,20 m de large sur 8 m de long. Voilà, pour simplifier. Et sur chaque bande, j'ai 3 lignes de goutte à goutte. Voilà. Toutes tes bandes, toutes tes, comment on dit, tes planches, voilà, elles font toutes la même taille. Ouais. Tu en as plusieurs endroits dans le jardin, mais elles font toutes la même taille. Elles font toutes la même taille, pour simplifier un peu. Voilà. Si tu veux récupérer des fois tes goûteurs, tes systèmes, tu peux les transposer d'une parcelle à l'autre, c'est même pratique. Si je veux bâcher ou autre, je sais que voilà.
Et donc une cuve, 1000 litres, envoie pour 50 mètres carrés. Ouais, c'est ça. 50 mètres carrés, vraiment cultivés sans compter les passe-pieds. Hein. Voilà. Ah oui, 50 mètres carrés, deux planches. Oui. La parcelle ne fait pas 50 mètres carrés, elle fait un peu plus. Ok. Comment tu as calculé du coup le volume de ta cuve par rapport à qu'est-ce que tu arroses comme surface? Ben, sachant que j'ai 50 mètres carrés de cultivé uniquement, ben, en fait, je sais, j'ai une base où je sais que si je vide ma cuve complètement sur la parcelle, ça équivaut à une pluie de 20 mm. Ok. Voilà. 1000 litres pour 50 mètres carrés, ouais, faites le ratio. Ça fait 20 litres au mètre carré. Voilà. 20 litres, ça équivaut à une pluie de 20 mm. Ouais. Au mètre carré. Ouais, c'est ça. Quand tu arroses, du coup, tu ouvres ta vanne et tu laisses vider ton cube complètement. Ben, 1000 litres. Ça dépend. Ok, d'accord. Soit, oui, si je veux faire un bon arrosage en profondeur, oui, je fais ça. Sinon, il y a aussi la possibilité, si on veut être vraiment plus précis, si on veut ou sonder le sol, ou voilà. Vu qu'il y a la graduation sur la cuve, je peux aussi me dire, ben là, je veux mettre que 10 mm, et en fait, je vide que la moitié de ma cuve, et voilà. Mmh. C'est gradué tous les 100 litres. Donc, okay. Voilà, ça se regarde. Là où, du coup, on n'a pas de recul, ce qu'on disait ce matin, là où on n'a pas de recul, c'est on ne sait pas vraiment si c'est uniforme, si l'eau qui sort tout au bout du tuyau, c'est la même quantité d'eau qui sort au début. Ben ça, je sais pas, peut-être qu'on le verra au niveau des productions. Mais derrière. On peut le voir, on peut regarder, peut-être sur les haricots verts. Toi, à l'œil, tout a l'air... A l'air ok. Après, c'est sûr que le début prend un peu plus, parce que le temps qu'on ouvre, que l'eau elle remplisse vraiment tous les tuyaux, et je pense qu'il y a quand même le début qui prend un peu plus, mais c'est pas énorme. Ouais. Parce que même au bout de 20 minutes d'arrosage, les tuyaux au fond, on voit que le tuyau il est bien gonflé et okay. Que l'eau elle sort bien. Donc, Combien de temps ça prend du coup pour vider le cube complet? Ça dépend, les jardins, j'en sais rien. parce que j'arrose, enfin j'ouvre souvent et je m'en vais, j'avoue que je vérifie pas en fait. Mais c'est ça, mais du coup, c'est, enfin juste, si tu avais une estimation, c'est plus près de 5 minutes, 20 minutes, une heure. Ah non, ça prend plusieurs heures. Hein, ouais, plusieurs heures, ah, voilà, oui, c'est ça. Ça prend t'as pas d'idée heures. Précise, mais c'est quand même très très long. Ouais, ouais, c'est plutôt long. Ouais, et donc quand tu... Enfin, je dirais qu'il y a quand même un avantage, si tu sais que ça équivaut à 20 litres par mètre carré, c'est à peu près ce qu'on veut pour un arrosage, il n'y a pas besoin de calculer, de mettre un chrono. Tu ouvres ta vanne et puis tu fais ce que tu veux, tu rentres chez toi et le lendemain tu reviens, ta cuve est vide, mais ça n'a pas débordé, ça a pas, enfin, tu n'as pas perdu d'eau, ça va faire l'arrosage qu'il faut. Et... Donc ça, c'est quand même assez pratique. C'est une année un peu exceptionnelle, sachant que en fait, mon jardin il n'a jamais été complètement sec cette année. Parce qu'on a eu énormément de pluie et des grosses pluies tous les 2-3 jours. Du coup, je ne sais pas vraiment l'efficacité, parce qu'en fait, sur chaque bande qui font 1,20 m, il y a juste 3 lignes. Et je ne sais pas si dans un été normal, ça suffirait. Parce qu'en fait, là, c'est toujours humide sous le paillage, ou du moins, c'est pas, enfin, ça n'a jamais été sec comme l'an dernier. Donc ça aussi, on verra là, quand on aura un été normal. Ouais. On est dans le sud, là, et ouais. Peut-être que juste ça, ouais, en plein été très chaud, ça suffirait pas. Après, tu bosses quand même sur mettre beaucoup de matière organique, les paillages, des arbres autour pour limiter les vents. Enfin, l'idée, c'est quand même de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop besoin d'arroser non plus. Et puis, ouais, c'est vrai qu'on a une chouette année là, cette année. Tu veux présenter un peu plus en détail du coup comment tu as installé tes tuyaux? Il n'y a rien de bien compliqué, mais pour ceux qui débuteraient vraiment... Alors, la cuve, déjà, elle est située au milieu des bandes, c'est-à-dire sur la troisième bande. Pour être vraiment au milieu du jardin. La sortie, ben, c'est un morceau de tuyau que j'ai juste chauffé avec un briquet pour ramollir le plastique et que j'ai juste enfoncé sur un nez de robinet. Donc elle descend, pas jusqu'au sol, parce que j'ai voulu quand même maintenir une petite pente. Et arrivée en bas, j'ai mis un raccord en T qui envoie sur un tuyau qui fait tout le long des bandes là. Et sur lequel j'ai raccordé mon tuyau micro-suintan. Donc, le tuyau descend et est raccordé à mon autre tuyau qui est perpendiculaire aux planches, avec des raccords pour goutte à goutte normaux en T. Donc, j'ai le tuyau rigide qui arrive de chaque côté et... Je viens raccorder dessus mon tuyau micro-poreux, qui est comme ça, en fait, qui est plat à la base. Juste à ouvrir, et on y insère le raccord.
Donc c'est des raccords pour tuyaux de 16. C'est les classiques en goutte à goutte. Et ensuite, ben là, il suffit de mettre un fil de fer pour tenir, et voilà. Ok. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec ces tuyaux, on ne peut pas faire d'aller-retour sur les lignes. Donc, en fait, ce sont vraiment que des lignes de 8 mètres de long et à la fin qui se termine avec un bouchon. Okay. Parce que vu que ah oui, on ne peut pas lui faire faire de courbe, en fait. Non, c'est ça. On ne peut pas lui faire faire de courbe, d'angle ou quoi. Non, on peut des très légères courbes s'il y a des zones arrondies dans le jardin, mais on ne peut pas faire de demi-tour. Okay. Sinon, vu que le tuyau se gonfle en fait avec l'eau, là, il est plat. Et dès que tu le tournes, et vu qu'il n'y a pas beaucoup de pression, dès que tu fais un virage, ça bloque, c'est pas top, quoi. Okay. Donc en fait, il se gonfle, il est tout rond quand l'eau coule, je te montrerai après. Voilà, et à la fin, juste un bouchon, et pareil, avec un petit fil de fer, et voilà. Okay. Donc j'ai fait ça tout le long sur le tuyau principal. Fil de fer, t'as essayé sans fil de fer? Ouais, mais ça va pas. Il n'y a pas beaucoup de pression. Ouais, il n'y a pas beaucoup de pression, mais il y a quand même beaucoup d'eau qui arrive en fait. Et avec le poids, enfin avec la pression, le peu de pression qu'il y a, ça a tendance à vraiment couler et à se défaire en fait. Okay. Même les bouchons au fond, s'il n'y a pas de fil de fer, ça ne va pas. Okay. Donc soit un bouchon, soit il suffit de plier le tuyau comme ça, mettre une pierre ou mettre une pince, et voilà, ça le fait. Okay. Mais voilà, je préférais mettre des bouchons. La plus galère, en fait, ça a été de raccorder les T avec le tuyau rigide. C'était hyper galère, hein, et du coup, je chauffais avec le briquet le tuyau. Et ça allait beaucoup mieux. De bien chauffer et ensuite d'insérer ça, et du coup, ça allait bien plus vite. Hein. Ok. Voilà. Il y avait aussi la possibilité, au départ, je voulais faire ça. Je voulais mettre une vanne sur chaque ligne pour pouvoir décider si je veux arroser telle ligne ou pas. Au final, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait quand même sur l'endroit là-bas. Mais par exemple, normalement, j'arrose toujours tout en même temps. C'est mieux. Mais par exemple, là, les pommes de terre qui nécessitaient plus d'arrosage, j'ai juste en fait enlevé mon raccord en T. Et je l'ai remplacé par ça. Voilà ce qu'on voit ici. Ok, et alors du coup, fais voir, t'as un autre tuyau dessous qui n'est plus raccordé du coup. Du coup, il y a mon autre tuyau avec qui attend pour la culture prochaine. J'ai laissé le raccord en T sur le tuyau et l'année prochaine, il n'y aura pas des pommes de terre, il y aura autre chose. J'aurai juste à réinsérer mon tuyau rigide dessus. Et l'irrigation, elle va rester en place là. Ok, et tu trouves ça plus pratique du coup à chaque fois de remplacer ton T par un raccord droit plutôt que d'y mettre une vanne? Ouais, c'est une fois par an. C'est quoi qui est gênant dans la vanne? C'est que j'ai peur de l'écraser. Enfin, je sais que j'en ai mis une à un endroit, j'ai dû la remplacer parce que c'est quand même fragile. Je l'ai écrasée, j'ai marché dessus. Pourtant, c'est rouge. Hein, mais et ça fait beaucoup de boulot aussi à installer en plus, quoi. Ça fait plus de plastique, ça faisait plus de travail en fait au final. Allez, on ouvre. Là, on commence à voir le tuyau qui se remplit tout doucement. Tu vois, il gonfle là un peu. Après, là, c'est peut-être là où il y a le moins de pression, quoi. Normalement, ouais, il est là, gros, on voit gros, qu'il gros, commence, ouais. On voit qu'il commence à gonfler, ouais. Il commence à... Si, on voit qu'il commence à couler, là. Ouais. Ouais, ça y est, ça arrive. Alors, comparé à mon système d'irrigation, où il y a vraiment de la pression, où tu allumes et pff, ça y va, là, on sent que ça coule tout doux, quoi. C'est pas, c'est pas agressif comme irrigation, quoi. Non. Mais là, on voit bien ça commence à se feinter, quoi. Ouais, donc c'est bien de venir vérifier au bout de quelques minutes que l'eau, elle arrive bien jusqu'au bout des lignes. Tu vois, là, c'est parfait. En fait, le tuyau, il est hyper rigide quand il est plein d'eau, il est gonflé et tout. Donc là, on voit que l'eau, elle coule et ça coule bien. Parce que parfois, il peut arriver qu'il y ait, je sais pas, une top, un campagnol qui fasse un trou dessous et que mon tuyau, il soit plus trop droit. Il suffit d'un pli pour que l'eau ne vienne pas. Donc, si ça arrive, il suffit juste de tirer un peu sur le tuyau pour le remettre bien, bien droit. Et voilà. Ouais, il faut vérifier là, je sais pas si tu arrives à trouver. Ah bah vas-y. Attention, il est rose. Là où? Celui-là, là? Ouais, mais t'en as un autre là. Ah. Normalement, t'en as un autre dessous là. Il y a les ronces là, je vais désolé. Pas y mettre là, les doigts. Par là peut-être. Non, plus vers toi là-bas. Ouais. Là, il est là.
Tac. Ah, ben voilà, parfait. Pas beaucoup de pression dedans. Hein. Non, mais parce que c'est la fin de la... Et donc tu dis, ouais, pour le redresser, tu tires un coup dessus, voilà, c'est ça. Tu sens que c'est au bout. Mais là, tu vois, c'est la fin de la cuve et il y a quand même assez de pression pour venir alimenter tout le tuyau. Du coup, là, il n'y a que 0,10 bar de pression, donc c'est pas grand-chose. Ok. Voilà. Ben, génial. Allez, on est à peu près au bout de la présentation. Merci beaucoup pour tout ça, c'était chouette. Plaisir. Moi, je tiens à préciser... c'est chouette. Si en plus, ça fait plaisir. Je tiens quand même à préciser que ben, c'est vraiment une première année de test. Hein. On ne fait pas cette vidéo pour vous dire « faites ça, c'est génial ». On fait cette vidéo pour vous dire « nous, on teste ça, pour l'instant, ça marche ». Mais si ça se trouve, l'année prochaine, on va s'apercevoir que les tuyaux se bouchent. Si ça se trouve, si vous avez une eau qui est calcaire chez vous, ça ne marchera pas très longtemps. Enfin voilà, on n'a pas énormément de recul dessus. Pour l'instant, tu en es quand même plutôt contente? Oui, complètement. Ouais. C'est la première année vraiment que tu fais un grand jardin. On vous met quelques images pour que vous voyez. Je trouve que tu te débrouilles quand même pas mal. C'est un très beau début. Mais voilà, sûrement qu'on reviendra dans un an ou plus tard pour vous présenter les défauts qu'on aura vus. Si vous avez des questions sur le système ou quoi, ou des choses à apporter sur ce système aussi, n'hésitez pas dans les commentaires. J'allais juste te dire que ça, en fait, on l'a pas dit tout à l'heure, mais juste d'ouvrir la vanne, ça équivaut à une économie de 100 arrosoirs. On a dit qu'on parlerait de ça au niveau du temps gagné. Ouais. Cuve, c'est 1000 litres. 1000 litres d'eau sur 50 mètres carrés, ça équivaut à 100 arrosoirs. 100 arrosoirs, parce que mes arrosoirs font 10 litres. Voilà. Voilà. Ça, il me faudrait faire 100 allers-retours à la cuve pour arroser l'équivalent de... du système au bout de voilà. Et donc ce temps-là, tu l'as remplacé par ouvrir une vanne. C'est ça. Donc au niveau du gain de temps, c'est quand même chouette. Et puis ben, c'est pratique à installer sur un lieu où il n'y a pas d'électricité. Un petit groupe électrogène pour la pompe, pour juste remplir les cuves. Mais une fois que les cuves sont pleines, ça marche tout seul. Quoi. Donc voilà. Vraiment, merci beaucoup. J'étais trop contente de faire cette vidéo et de vous présenter un petit peu Carole aussi. Je suis trop fier de ce que tu fais. Allez, si vous avez des questions, tout ça, allez-y dans les commentaires, ça j'ai déjà dit. Partagez la vidéo autour de vous si vous pensez que ça pourrait servir. Mettez des petits pouces en l'air, c'est super sympa. Et si vous voulez me soutenir financièrement, il y a les liens vers Tipeee en haut à droite, dans la description, sous la vidéo, à la fin de la vidéo, vous trouverez. Merci beaucoup à tous ceux qui le font et à ceux qui le feront. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. J'aurai peut-être pas le temps d'en faire beaucoup encore là pendant l'été parce que je suis occupé à d'autres choses. Vous verrez plus tard pourquoi. et puis voilà, bonne suite d'été à tous et à bientôt. À bientôt. Merci. Salut.